Sonné dans la street, on m'a confondu avec Rose. Tous les week-ends, mes sentiments me disent viens grosse. Dans le sud, c'est triste, les palis font des rigots. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, les gars, ça va être une vidéo balade. Les gars, ça date que j'ai pas sorti de vidéo, c'est un truc de fou. Donc là, on va le faire. Une petite balade tranquille. Donc les gars, j'ai déjà testé ma GoPro là sur mon nouveau casque, parce que oui les gars, j'ai un nouveau casque et je vais tout vous expliquer pourquoi. Donc j'ai déjà fait un test et ça avait, le micro il avait coupé, donc là j'espère qu'il va pas couper. Donc voilà, donc, je pense qu'il fait lui. Voilà. Alors. Aïe. Alors du coup, pourquoi j'ai un nouveau casque? En gros, j'étais à la plage avec mes collègues et du coup, ben, le casque, ben, je l'ai oublié, on me l'a volé et on me l'a jeté dans l'eau, voilà. Du coup, voilà, on me l'a volé, ben, je l'avais oublié, on me l'a volé et du coup, ben voilà. Aussi les gars, ça a été mon anniversaire là, le 3 juin, là à l'heure où je vous tourne la vidéo, on est le 6 et c'était mon anniversaire le 3. J'ai pas fait de vidéo spéciale pour mon anniversaire ni rien. Mais bon les gars, pour ceux qui aiment le souhaiter maintenant, c'est pas grave. J'ai fait 17 ans les gars, c'est... Les gars, je commence à grandir, c'est un truc de fou. Bon, après c'est normal, c'est un peu le cycle de la vie. Bon les gars, je sais pas s'il y en a dans mes abonnés qui ont été au concert de Jules là. Ah les gars, comme j'aurais aimé y aller moi au concert de Jules, c'est un truc de fou. Ceux qui connaissent pas, avec pour ceux qui savent pas, j'habite très proche de Marseille moi. Donc j'aurais pu y aller comme je voulais, mais j'avais pas les places. C'est trop la haine, j'avais pas mes places. Moi j'ai plein de gens que je connais qui ont été, enfin franchement ils ont dû vivre une expérience de malade. Moi les gars, je l'ai regardé sur 10 heures le tout. Le concert, je l'ai regardé sur 10h et déjà je m'ambiançais tout seul. Alors là imaginez au concert de Jules. Parce que je pense que là dans mes abonnés, il y en a qui sont, ils habitent à Marseille, dans Marseille même ou dans Marseille au putain même. Ou aux alentours. Ou même je pense qu'il y en a qui sont allés. Il y en a qui sont venus des 4 ans de la fin, je pense. Hein. Dites-moi les gars si vous voulez d'autres vidéos pas forcément en rapport avec la moto, le scooter, etc. Et plutôt vers la mer ou des trucs comme ça, genre je vais en scooter à la mer, à la plage, et après je saute des rochers et des trucs comme ça. Dites-moi si ça vous dirait ça. Parce que moi les gars, j'ai la mer juste à côté. Je sais pas si vous l'avez vu quand j'ai tourné la tête, mais voilà, mais là il n'y a pas de rochers, il faut aller autre part. Voilà. Ouah, ça a tanto. C'est un truc de fou comment il fait chaud. Ah c'est ça les gars, l'idée dans le sud c'est d'avoir le Mistral tout le temps, bah ça se casse les couilles. Ouais.
HS62-2 moi. Voilà. Les gars, je vous reprends juste après. Bon, voilà les gars, là, je sors de cache stress. Bah, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Et bah du coup, voilà. On va continuer un peu la balade. Et voilà. Hein. J'ai volé. Donc, du coup, ben, voilà. Franchement moi les gars, quand j'habitais à Marseille, c'était un truc de fou, j'ai trop aimé moi. Je me rappelle les gars, quand j'avais été à Marseille, parce que genre c'est la première fois que j'y allais tout seul à Marseille. Enfin tout seul avec mes collègues. Et ben voilà, c'est vraiment le tour de Marseille. Quand je dis le tour de Marseille, c'est vraiment le tour de Marseille. Genre, on est carrément allé. Voilà, on a mangé à l'Estac. Aïe. On a mangé à l'Estac. Et après, après, on s'est baladé dans Marseille. Hein. Les gars, on a été sur Vieux-Port. On est passé sur le boulevard Michelet, là où il y a le vélodrome. On a été jusqu'au Baumettes les gars, je pense qu'on a branlé au Baumettes, mais on a été au Baumettes. J'étais à croire qu'on allait voir des prisonniers ou des trucs comme ça, mais on a été jusqu'au Baumettes. Et après voilà les gars, après on a fait tout le tour de Marseille. Bon les gars, moi je voulais aller à Notre-Dame de la Gare, mais je ne rappelle plus, je me rappelais plus par où il fallait passer, donc je n'ai pas été. Allez, regardez les gars, regardez la mer, oh, c'est beau. Allez, les gars, c'est pas là que j'ai vu... un couple en train de faire bah, ce que vous savez hein. Et le pire c'est que je croyais qu'ils étaient cachés, mais on les voyait très bien. Ah merde, peut-être qu'on pouvait passer là, j'allais y aller moi. Attendez les gars, faut que j'aille regarder la mer. Oui. Ouais, ça devait trouver un moyen pour me rapprocher un peu plus, parce que les gars, je sais comment me rapprocher un peu plus, mais c'est pas pour... Ah là, c'est ouvert. Ah non, même pas, c'est même pas ouvert. Ah, je fais le tour. Franchement, là, les gars, l'eau, là, elle est vraiment intense, là, je sais pas comment dire. Et ouais, moi aussi, j'essaie d'employer des mots compliqués, j'arrive pas. Étincelante, voilà, putain. Là, franchement, avec le soleil, les gars, ça tape vraiment fort. Hein. Là, il doit faire facile 25 degrés, là, déjà. Je pense que c'est là. Je pense que les gars, là, la vidéo incinère là. Donc je vous laisse apprécier bah, la vue. Regardez, il va se faire. Voilà. Les mecs qui font du canoë ou du kayak, je sais pas c'est quoi ça. Donc voilà. Franchement les gars, c'est vraiment très beau. Ouais. C'est vraiment très très beau. Et les gars, combien de fois quand j'étais plus jeune, combien de fois je me baignais là, l'année dernière que je me baignais là-bas au ponton, là, je sautais. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, les gars. Comme je vous ai dit, ça va reprendre de plus belle. Et du coup, voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis ciao.